C'est un événement tragique que les habitants de Gemünd commémorent ce jeudi. Il y a un an, des inondations dévastatrices ont pratiquement rayé de la carte cette petite commune de la vallée de l'Aar, dans le nord-ouest de l'Allemagne. Un an après, les travaux sont toujours en cours. Vous pouvez le voir derrière moi, depuis un an presque rien n'a été fait. Ou ici à l'église protestante, ils ne sont pas en mesure de réparer l'horloge. D'une manière ou d'une autre, l'argent manque. Les inondations ont tué 185 personnes et causé plus de 30 milliards d'euros de dégâts matériels en Allemagne. En visite dans la vallée de l'Aar, le président Frank-Walter Steinmeier a rendu hommage aux victimes de cette catastrophe naturelle causée par le changement climatique. De l'autre côté de la frontière, en Belgique, les inondations ont fait 39 morts et des milliers de sinistrés. Malgré les plans d'urgence et les vagues de solidarité, la reconstruction est loin d'être terminée. Le roi Philippe et la reine Mathilde, ainsi que le Premier ministre, se sont rendus à Liège pour réconforter les habitants. J'ai entendu que les gens disent « oui, on a été confronté à quelque chose de difficile, quelque chose que personne n'avait attendu, mais il y a eu énormément de solidarité et la reconstruction, elle avance bien. » Un optimisme que ne partagent pas tous les habitants. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'aide, qui sont là et qui ne savent pas quoi faire. Ils ne sont toujours pas dans leur maison. L'Allemagne et la Belgique appellent à améliorer les systèmes de prévention de catastrophes naturelles au niveau européen. La Commission européenne a proposé d'instituer une journée commémorative annuelle pour les victimes du changement climatique.